ça doit être connu de tout le monde. La première femme magistère de Guinée doit être connue. Les nouvelles générations, la nouvelle génération doit savoir qu'elles ont eu des devanciers et qu'elles ont l'obligation de connaître l'histoire de leur profession. Il y a eu la première femme magistrate de Guinée, il y a eu la première femme avocate qui a eu le double mérite d'être... elle était à mobilité réduite et elle était une femme. Mais elle a figuré sur le tableau à l'ouverture du barreau de Guinée. Donc ça, c'est des faits que certaines ne connaissent pas, beaucoup ne connaissent pas d'ailleurs, et qu'il y a lieu de rappeler pour que la mémoire de notre système judiciaire perdure. Le message fort, c'est d'encourager les femmes, les filles à adhérer aux professions judiciaires. Avocates, magistrates, huissières, notaires, c'est de les encourager, de leur dire que avant elles, certaines ont défriché le chemin et elles aussi, elles doivent continuer dans le même sens. Disons que beaucoup de choses ont motivé cette organisation. La première chose, c'est d'abord de rendre hommage aux pionnières qui ont intégré le barreau pour la première fois. Vous savez, le barreau de Guinée existe depuis 1986. Et les premiers avocats qui ont eu à exercer la profession d'avocat ne faisaient même pas une quinzaine. Il y avait une seule femme inscrite en 1986, je parle de Maître Charlotte Laurence, qui est décédée en 2010. Donc il nous fallait quand même marquer le coup et organiser cette semaine de l'avocate, mettre en lumière le fait que le barreau de Guinée aujourd'hui, sur plus de 300 avocats, il y a pratiquement 26 femmes qui exercent. Donc c'est quand même comme une goutte d'eau dans la mer. C'est vrai que des progrès ont été accomplis, mais il s'agit aujourd'hui, en ce mois d'octobre qui est le mois de la jeune fille sur le plan mondial, d'inciter beaucoup plus les jeunes filles à s'intéresser aux professions juridiques et judiciaires d'une façon générale, et à s'intéresser à la profession d'avocat et à se dire en fait que nous qui sommes dans la profession d'avocat, nous n'avons pas spécialement des choses qui sont plus importantes que les autres. Nous sommes constitués de la même manière, il n'y a rien de diable là-dedans. Donc toutes les femmes qui ont envie d'exercer la profession d'avocat, si elles suivent le parcours qu'il faut et si elles travaillent nécessairement bien, elles peuvent devenir avocats. Donc c'est ça un peu l'objet de cette semaine de l'avocat. Il y a plusieurs thèmes. Il y a l'accès aux professions juridiques et judiciaires pour les femmes. C'est le thème principal. Et l'accès aux professions juridiques et judiciaires pour les jeunes femmes. Mais au-delà de ce thème, il y a quand même dans le thème lui-même des perspectives professionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter simplement à la profession d'avocat. On va donner la possibilité à des femmes notaires demain, par exemple, de donner leur parcours, de donner les écueils qu'elles ont eu à traverser. On va faire pareil pour les greffières, on va faire pareil pour des femmes huissiers. On va donner la parole à des femmes et on va mettre en lumière des femmes pour impacter au mieux nos jeunes femmes et puis aussi nos jeunes hommes. Parce que bon, vous avez vu la salle, il y a beaucoup de jeunes étudiants, que ce soit des filles ou des garçons, qui sont intéressés par les thématiques. Il faut dire que la féminisation des professions judiciaires et plus particulièrement de celle de l'avocate est en marche. Pour ne prendre l'exemple que du barreau auquel j'appartiens, au barreau de Paris, il y a plus de femmes que d'hommes. Et pour ne prendre l'exemple que de la magistrature française, il y a beaucoup plus de femmes magistrates que d'hommes. Donc c'est un mouvement qui est en marche et l'Afrique ne sera pas en reste de ce mouvement. Donc le réseau international des femmes avocates pense, puisque la femme est au cœur de ses activités, de ses actions, a voulu par cette semaine de l'avocate marquer le fait que l'avocate est un avocat comme les autres et que ce n'est pas sa condition de femme qui fasse qu'elle soit moins bonne, moins compétente que les hommes. Tout au contraire, c'est une avocate comme les autres. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est d'inciter nos jeunes étudiantes, nos jeunes sœurs qui hésitent à franchir le pas pour nous rejoindre dans cette magnifique profession en leur disant que dans toutes les professions, il y a des difficultés. Mais dans la profession d'avocat, nous sommes là, nous leur
prenons par la main, nous les prendrons par la main, pardon, pour les amener à franchir ces difficultés que nous allons lister tout à l'heure et leur donner les clés, les modes pour pouvoir avancer dans la profession tout en étant fiers de leur condition de femme. Alors, pourquoi le choix de la Guinée? Alors, le choix de la Guinée, d'abord parce que c'est j'ai des filles de cœur en Guinée, Oulématou, Alimatou, Souadou, Muriel, et parce que ce sont, avant que nous décidions de cette action en Guinée, elles étaient déjà actives dans nos différents réseaux du RIFAV, elles ont suivi toutes les formations et elles ont manifesté l'intérêt de pouvoir mettre en place une représentation nationale du réseau international des femmes avocates pour justement pouvoir inciter les jeunes filles, les jeunes étudiantes à franchir le pas. Ce n'est pas facile d'être femme et d'être avocate parce qu'on a cette difficulté de se dire est-ce que je vais pouvoir concilier les deux, ma vie familiale, ma vie personnelle et ma vie active, mais c'est la même problématique qui s'oppose aux hommes. Les hommes ne se posent pas ces questions. Pourquoi nous devrions nous poser ces questions et pourquoi ça devrait être un frein à l'accès à la profession? C'est une belle profession. D'ailleurs, elle est plus que féminine puisque nous portons une robe. Les hommes la portent aussi. Donc, l'instant du port de la robe, ils deviennent des femmes. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait en faire une profession uniquement masculine? Non, nous les femmes, nous sommes là. Nous avons un droit de cité. Nous avons une intelligence beaucoup plus constructive. Et n'en déplaise aux hommes, nous avons une intelligence beaucoup plus constructive, beaucoup plus maligne, beaucoup plus fine que les hommes. Nous sommes dans tous les dossiers, même dans les dossiers les plus médiatiques. Au début, on essayait de nous cantonner à tout ce qui est droit de la famille. Aujourd'hui, on est dans des dossiers de droit pénal qui sont lourds, nous sommes compétentes et nous le revendiquons haut et fort. Notre condition de femme ne fait pas de nous dommage pour ceux qui continuent à dire que la femme, c'est le sexe faible. Pas du tout. Nous sommes le sexe fort et de plus en plus fort et nous allons le démontrer et nous avons tenu à le démontrer ici à Conakry.